Salut tout le monde, c'est moi Mstrip. On se retrouve aujourd'hui pour une aventure suivie sur Minecraft. Je viens de lancer la création d'un mode survie. Je suis réapparu là-dedans. Bah, on va commencer tout de suite. Première chose dans Minecraft, c'est prendre du bois. Heureusement que je suis réapparu dans une forêt, c'est cool. Prenons du bois. Après avoir pris du bois, faut prendre de la cobble, et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous faire des outils. Hop. J'ai aucun skin, je trouve pas ça très utile. Tac. Voilà, je me suis fait vite fait une hache. C'est juste histoire de prendre un peu de bois, mais je vais aller prendre de la cobble. Cet arbre est plutôt grand. Bon, faut déjà. J'espère qu'il va pas faire nuit trop rapidement, parce que sinon je serais bien embêté. Oui, voilà. Y a pas de cobble. Normalement il y a de la cobble avec 3 blocs en dessous. Bah là le jeu en a décidé autrement. Tac. Bon là je prends juste de la cobble pour me faire des outils. Après bah sûrement pour faire des maisons ou des trucs à crafter, genre des fours ou des choses comme. Oh, il y a une grotte, j'avais pas remarqué. C'est du charbon ça. J'avais pas remarqué en plus. J'espère que la luminosité est assez élevée, parce que souvent dans les vidéos que je vois sur Minecraft, la luminosité est très basse dans les grottes. D'ailleurs je vais faire des torches. Oh, mais évidemment si j'ai pas de charbon. Là ça devrait aller mieux. Le charbon faut toujours le prendre, c'est super important, ça peut cuire, ça peut faire de la lumière avec des torches, ça fait beaucoup de choses. Donc s'il y a du charbon, n'hésitez pas à le prendre. Si vous. Oh, petit bug. Si vous êtes débutant à Minecraft, vous ne sauriez peut-être pas que le charbon, il faut toujours en prendre quand on en voit. Bon, il y a l'air d'avoir quand même une petite grotte ici. Je pense que je vais faire ma maison ici. Il y a du fer. J'éclaire un peu pour qu'il n'y ait pas trop de monstres qui spawnent quand même. La grotte a l'air d'être quand même grande. Bon bah pour cette série sur Minecraft, je compte pas faire des épisodes très souvent. Bah tiens, je vais faire ma maison là. Je compte pas faire des épisodes très souvent, mais voilà. Je vais faire un peu plus de torches pour marquer un peu la sortie, parce que sinon je vais toujours je vais me perdre comme d'habitude. Je me perds assez souvent. C'est là, bon bah. Voilà, comme ça, je sais où est la sortie. Toi, je t'aime pas. Voilà. Voilà, je dégage un petit peu tout ça. Hop. Je vais reprendre mon établi. Voilà. Ça devrait déjà aller un peu plus vite. Hein. Le bois, c'est quelque chose d'important et heureusement que j'en ai eu là dès le départ. C'est plutôt pas mal. Je voulais vous parler d'une chose, c'est les examens. En ce moment, je suis en période d'examen. Je sais pas vous, mais ben moi, je suis en période d'examen. C'est quelque chose que j'aime pas trop en général. Peu de gens aiment ça. Enfin, je me demande
Je me demande bien s'il y a des gens qui aiment les examens, qui aiment étudier de longues heures et... Pour moi, étudier, ça se résume plutôt à s'ennuyer, en fait. Ouais, je sais pas pour vous, mais... Bon, pour le moment, j'ai passé quoi? J'ai dû passer aujourd'hui mon cinquième examen. C'était maths. Moi, je suis plutôt bon en maths, sans vouloir me vanter, mais... C'était pas très compliqué. Je suis en quatrième en Belgique, en seconde pour la France. Et pour la Suisse, bah, j'en sais rien. S'il y a des Suisses qui me regardent, pas de bol, vous ne saurez pas. Je vais replanter les arbres. Est-ce que je peux planter? Moi, je peux le planter sur de la neige. Là, c'est juste un abri provisoire hein, que je vais me faire sous terre. Je vais pas rester là-dedans longtemps. Ah ouais, mais je comprends maintenant pourquoi il y a... Il y a une grosse fosse ici. Ça pourrait être pas mal. Ah ouais, mais je pense que si je continue à creuser mon petit abri par là, je vais tomber dans la fosse. Regardez, je vais creuser quelques blocs. Ah non, même pas. Bon, bah ça se fera une bonne taille d'abri, ça. Oh, j'ai pas repris mon établi. Hop. Juste histoire de faire une pioche en pierre. Voilà. Ça va quand même plus vite avec la pioche en pierre. Oh, la pioche en pierre. Pardon, je recommence. Je sais pas, est-ce que vous jouez à Minecraft? Vous trouvez ça... Enfin, il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est un jeu nul, mais qui jouent pas en fait. Ils disent c'est un jeu nul, mais ils ont pas joué. Voilà, je suis dans la fosse. Ça me fera ma fenêtre. Ouais, ils jouent même pas à Minecraft et ils disent que c'est un jeu nul. Bah, c'est vrai que les graphismes, c'est pas trop ça, mais juste un petit bloc de terre, ça ira. Hop. J'ai gardé quelques blocs de sapin quand même. Ça peut être joli. Hop. Tac. Bon, je vais pas essayer de me faire quelque chose de très joli. Et les blocs, deux blocs de terre là, j'ai pas fait exprès de les mettre. Là, ça me fera ma fenêtre, comme j'ai dit. Hop, voilà. Un lit, il me faudrait des moutons. Oh, je vais pas tout de suite faire un lit parce que j'ai plus miné des trucs qu'autre chose. Hop, là il y aura mon four. Ah, je n'aime pas ce petit bruit. Ce petit bruit qui fait peur. Ah là là. Aujourd'hui, j'ai lancé l'upload d'une vidéo sur Battlefield 3, une vidéo commentée sur Montagne d'Alborz. Et sans faire exprès, revenant de mon étude, bah, je suis arrivé. Voulant allumer l'ordinateur, j'appuie sur le bouton pour l'allumer, mais l'ordinateur était en train d'uploader. Donc, ça a tout quitté, j'étais à 50% d'upload. C'est quand même une assez grosse vidéo, hein. Ça fait 1,5 giga, c'est assez long à upload. Et ben voilà, ça a tout quitté et je suis un peu dégoûté. J'espère que ça fera pas la même chose pour cette vidéo-là, en tout cas. Bon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai pas grand-chose à vous dire en fait. Hein. Là, je suis en train de miner. Ça doit vraiment pas être passionnant pour vous. Ouais. Dans cette aventure, j'ai plusieurs objectifs. C'est vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire comme salle un peu secrète. Avec de la redstone, des pistons et des choses comme ça. J'entends un zombie. Je l'entends par là, avec mon casque. J'éclaire un peu partout. Hein. C'est toujours mieux d'éclairer un peu partout. Hop, voilà, c'est un cul-de-sac. J'ai à quelle profondeur? À 54, ouais, c'est pas du tout profond. Mais c'est déjà ça, c'est déjà... petite grotte. Hop. Bon, pourquoi creuse?
Il doit y avoir une galerie par là ou un truc comme ça. Ou alors c'est la nuit et il y a un zombie au-dessus de moi. Ouais, tiens, je vais retourner là-bas. Bon, le charbon, je fais minerai, enfin j'en mine un peu maintenant. Ah ouais, tiens, du fer, c'est pratique. Le charbon, je le minerai un peu plus tard parce que j'ai d'autres choses à faire en ce moment, même si je vous ai dit qu'il faut toujours miner le charbon. Voilà, du fer. Un charbon, ça fait brûler 9, normalement, ouais, 9. Non, 8, 8, pardon. Ça fait brûler 8 blocs. Bah 8 blocs, tout simplement. Là, je vais aller dehors pour un peu voir s'il n'y a pas des moutons ou de la nourriture. Parce que vous voyez, là, en bas à droite, je suis un peu à la limite. Il n'y a vraiment rien, quoi. C'est vraiment un truc tout plat et... Oh là là. Quel zombie. Oh, il y a des moutons là-bas, je les vois. Bon, les zombies, je m'en occuperai plus tard. Il y a l'araignée. Je pense qu'elle va venir, mais bon. Ouais, elle va venir. J'aime pas trop m'en approcher des araignées parce que elles me touchent assez souvent. Je sais pas pourquoi, mais. Ouais, elles me touchent souvent alors que je suis plutôt proche. Oh, voilà, un mouton noir, hop. Bon, je vais pas le tuer, lui, il me servira peut-être dans un futur proche. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi j'ai... Ah, oh, j'ai faim. Ok, le zombie, il était ouf, il était là. Je vais te forcer de manger de la viande pourrie de zombie. De la chair putréfie. Non, il m'a rien donné. Ok, les gens, je vais mourir. Ok, je vais mourir. C'est sûr, là. Sauf si je trouve un... Mais ouais, mais chaque fois, j'ai l'impression de me faire attaquer. Ça va pas aller. Oh là 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 là. Déjà mourir à ce stade-là de l'aventure. Bon, là, normalement, je ne perds plus de vie. Je vais essayer... Oh non, il y a une araignée. Oh non, il y a une araignée. Il y a un squelette. Vas-y, le zombie. Viens, viens, viens. J'essaie de tirer aucun monstre. Voilà, de la viande. J'aurais peut-être pas dû la manger parce que ça... Ça va se perdre. Donc, il y a des zombies là-bas. Est-ce que j'arriverai à sauter là? Non, je vais pas tenter. Oh, il y a plein de moutons, en fait. Moi qui ai une plaignée de pas en avoir. Bon, il y a des zombies par là. Ah, il y a l'air d'avoir un truc là. Hein. Ouais, alors là. Allez, donnez-moi tous les deux deux viandes. Ok, ils m'ont tous les deux donné deux viandes. Attends, c'est... Ok, je peux courir. Oh non, il y a des araignées partout. Oh non, il y a des araignées partout. Ok, je vais me faire tuer. Là, c'est sûr et certain, je vais me faire tuer. Ok, je vais essayer de m'éloigner un peu. Oh là 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 là. Si j'arrive à tuer... Oh là là, ok, bon. On va devoir se battre. Voilà, je le savais. Oh non, en plus, il y a mes affaires dans la lave. Où est-ce que je suis parti encore? Je pense que je suis parti par là. Je vais essayer d'aller récupérer mes affaires. Au moins, là, j'ai toute ma vie. Non, j'étais pas du tout parti par là. Ouais, j'étais parti par là. Bon, en tout cas, c'est... Il y a une espèce de forteresse dans le désert. Ça va être pratique pour me repérer. Oh là là là. Déjà mourir à ce stade-là. Oh, j'ai failli tomber. C'est vraiment dommage. En plus, là, je suis vraiment entouré par les monstres. Il y a un creeper. Tiens, ok. Allez, cours, Forest. Est-ce qu'elle est ma petite forteresse maintenant? Ça doit être par là. En tout cas, par là, il y a le désert. Je vais essayer d'aller prendre du fer pour me faire une armure. Oh, il y a des cochons. Il y a des cochons, ça c'est bien. Mmh.
Yo. Vous imaginez vivre ça en vrai, il y a tous les monstres qui vous poursuivent. Enfin bref, ok, là il y a mon stuff, il y a une partie de mon stuff en tout cas, parce que j'ai entendu quelque chose tomber dans la lave. J'espère que c'est mon épée en fer. Ah, Creeper! C'est mon épée en fer, je le savais. Oh là, failli me pousser dans la lave. Ok. Là au moins je suis protégé. Oh là 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 là, je suis pas protégé du tout. Ok, vache. C'est quoi cette espèce de forteresse? C'est assez bizarre comme véhicule. J'ai jamais vu ça. C'est de la laine. Ah, pas mal, ça va me faire de la laine colorée. Pour une fois. Bah ça a l'air d'être un truc. Plein de rues. Oh là 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 là! C'était quoi ça? J'ai jamais vu ça! Je suis allé sur la plaque pression, j'ai vu tout qui se. Waouh! Qu'est-ce que c'était? Bah maintenant j'ai encore plus envie d'y retourner. Je pense que tout mon stuff a explosé et que c'était un énorme machin de TNT. C'était un espèce de piège. Ah, c'est cool de trouver ça dans un premier épisode. Par contre, je pense que j'ai plus aucun stuff, j'ai juste du fer dans ma maison là-bas. Je vais essayer d'aller récupérer le mien là-bas, si j'en ai encore. Ah là 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 là. Ah, ça m'énerve un petit peu ça. Ça m'énerve un petit peu. Bon, bah la prochaine fois, je saurai que c'est un truc piégé. Ah là là. Évidemment, c'est trop tentant de prendre le truc au milieu. Oh, mais je vais devoir miner la cobble que j'ai mis pour me protéger. Sans rien, ça va pas être pratique. Hein. Puis s'il y a une araignée, voilà. Si je peux la pousser dans la lave, ce serait magnifique. Allez, allez, vas-y, va dans la lave. Ah. Ok, par contre, le squelette, il a failli me tuer là. Ok, c'est bon. Oh non, je me suis écrasé. Ok, je vais juste faire un truc. C'est un petit peu de la triche, mais bon. C'était par où? C'était par là. Bon, c'est un petit peu de la triche, je sais, mais juste pour aller voir un petit peu ce qui s'est passé là-bas. Ouais, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe. Tiens, un Enderman, tiens, je te provoque. Oh là 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 là, j'ai jamais vu ça quand même. Hein. Au moins, vous, quand vous le verrez, vous saurez que c'est un piège. Mais j'ai jamais vu ça, c'est vraiment bizarre quoi. Wow. Ah, ça fait un gros trou. Par contre, j'ai plus aucun stuff. Ouais, j'ai vraiment plus aucun stuff, quoi. Oh là là. Oh, c'est vraiment la misère. Pourquoi? Bon, là. Ah ouais, bah, y avait... là, j'aurais pu miner, quoi. Pourquoi? Évidemment, moi, je me suis obstiné à aller au mauvais endroit. Et là, j'avais envie de voir ce qu'il y avait. Par contre, il y avait des coffres, quoi. Ça me dégoûte un peu. C'était un espèce de piège empoisonné. Meurs. Ouais, bon, je suis en créatif, donc je vais éviter de tout détruire. Bon, bah, au moins, je le saurai. Bon, bah, je pense qu'on va se laisser là. Sur ce magnifique piège. Hey, je brûle. Ouais, non, sur ce magnifique piège qui m'aura valu la vie et tout mon stuff. Bah ça, je vais jeter. Hop, hop. Et je vais retourner chez moi dans mon petit abri. Ouais, je trouve ça vraiment dommage quoi, ce piège. Mais ça m'aura fait découvrir un truc. La prochaine fois, je saurai. Et bon. À la prochaine les gens, abonnez-vous pour être tenu au courant dès la prochaine fois que je sortirai cette vidéo. Ok, ça veut rien dire. Mais bon, abonnez-vous, comme ça vous verrez dès que le nouvel épisode sortira. Et ben voilà, à plus tout le monde. Moi je vais juste retourner dans mon abri. Voilà, bon, bah salut tout le monde, à la prochaine.